c'est Antoine, kinésiologue Move 50+. Bienvenue à votre séance de stabilité et posture en collaboration avec Participation. Vous savez, il est important de faire des exercices pour stimuler son équilibre dans le but de prévenir les risques de chute ou d'autres blessures dans notre vie quotidienne. Et tout ça dans le but de vieillir mieux. Donc, aujourd'hui, nous allons travailler votre posture et votre stabilité. Assurez-vous d'avoir une chaise ou un autre appui solide comme un comptoir pour faire vos exercices en toute sécurité. Donc, sans plus attendre, commençons notre partie d'activation. Une belle position de base, donc on demande d'avoir pied largeur des hanches. Pour prendre une bonne inspiration, et on va faire une rotation des épaules vers l'arrière. Puis en expirant, on relâche. Encore une fois, inspire, lève les épaules bien hautes, on les envoie à l'arrière, expire, relâche. Une dernière fois, inspire, expire. Parfait. On passe ensuite à la mobilité des chevilles. Donc, on va commencer avec une main en appui. Toujours notre belle posture, une bonne jambe d'appui. On va lever l'autre dans les airs légèrement. Et on va faire rotation de la cheville dans un sens. Donc, on a juste une dizaine de secondes. On y va lentement. Prenez le temps de bien vous sentir stable, vous assurer que votre environnement est sécuritaire. Donc, toujours la même jambe. Mais cette fois-ci, on va changer de sens. Donc, dans l'autre côté. Lentement. On respire. Encore quelques instants. 3, 2, 1. On relâche. Toujours notre appui avec notre main. On va lever maintenant l'autre jambe. Rotation de la cheville dans le même sens pour une dizaine de secondes. Pas plus longtemps. Prenez le temps de respirer. Encore 3, 2, 1. Gardez la même jambe, mais on tourne dans l'autre sens. Quelques secondes. Ça va bien. 3, 2, 1, et on relâche. Parfait. Donc, prochaine étape, on va aller faire le berceau. Donc, on va commencer avec vraiment la main en appui sur la chaise ou votre appui à vous. Donc, on va aller se balancer sur la pointe des pieds, puis revenir à l'arrière, se balancer sur nos talons. Donc, gardez la main en appui. Si jamais vous êtes vraiment à l'aise à la maison, vous pourriez aussi y aller avec les deux bras, donc dans le sens contraire des hanches. Assurez-vous d'avoir un bon mouvement au niveau du bassin. On y va lentement. Si c'est trop difficile pour votre équilibre, gardez une main en appui, il n'y a aucun problème. Encore quelques instants. 3, 2, 1, et on relâche. Super. On enchaîne par la suite avec le mambo. Donc, proche de la chaise, cette fois-ci, vous n'êtes pas obligé d'avoir votre appui. Une belle posture de base. Donc, on commence pied largeur des hanches. On va aller porter un pied à l'avant avec une petite flexion dans le genou. Et on va porter ensuite le pied à l'arrière. Donc, on garde notre pied pivot, avant et arrière. Si ça vous aide pour votre coordination, vous pourriez aussi utiliser le bras opposé. Donc, toujours avec la jambe. On y va lentement. Le but, c'est simplement d'aller réchauffer encore une fois au niveau de la jambe et de la cuisse. Donc, encore 3, 2, 1. Et on va le faire l'autre côté. Donc, c'est l'autre jambe qui devient le pivot. On va vers l'avant et vers l'arrière. Donc, quand vous êtes à l'aise, vous pouvez activer vos bras aussi. Lentement. Encore quelques instants. Alors, 3, 2, 1. Et on revient. Posture de base. Super. Prochain exercice, donc, la pompe du mollet. On va commencer pied largeur des hanches. On recule une jambe à l'arrière, talon au sol. Super important, on va venir surélever le talon, puis le redescendre. Donc, on garde une posture fixe juste en levant et descendant le talon. Vous pouvez aller pousser avec les mains vers l'avant. Vous pourriez aussi aller un peu plus haut si vous êtes à l'aise, tant que vous restez dans le prolongement de la colonne. Vraiment y aller à votre rythme. Donc, encore quelques instants. 3, 2, 1, et on relâche. L'autre côté. Donc, belle posture, on recule une jambe, talon au sol. Même principe, on lève le talon et descend. Et on active les bras vers l'avant, on revient. On pourrait basculer plus haut, on se rappelle, selon son aisance. Encore quelques instants, ça va bien. Bientôt terminé. Donc, 3, 2, 1, et on relâche. Alors, voici ce qui terminait notre phase d'activation. Passons maintenant à la suite, la phase d'équilibre. Donc, pour notre premier exercice de notre partie d'équilibre, on va commencer en position de base. Et on va aller mettre une jambe à l'avant. Donc là, c'est un transfert de poids. Donc, on transfère le poids vers l'avant. Petite flexion dans le genou.
puis à l'arrière. Assurez-vous la jambe à l'arrière, petite ouverture. Et là, vous pouvez vraiment utiliser les bras pour vous aider à tirer, puis à pousser vers l'avant. Donc, on tire et on pousse. Assurez-vous vraiment d'un bon transfert. On y va lentement. En prendre son temps. On pousse et on tire. On sent que ça travaille un peu dans les cuisses. C'est normal. On fait l'équilibre quand même. Donc, vraiment tirer, pousser. Donc, lentement. Il n'y a pas de problème. Lentement. Une dernière. On ramène et on revient. Parfait. On recommence, mais cette fois-ci de l'autre côté, jambes à l'avant. Donc le transfert de poids à l'avant, puis à l'arrière. On y va avec les bras vers l'avant. On revient à l'arrière. Avant, arrière. Assurez-vous d'avoir une respiration lente, toujours. Encore quelques fois, on y va lentement. Bon transfert de poids dans nos jambes. Ça se peut déjà que ça tremble un peu, c'est normal, ça travaille. Reviens, poussez à l'avant, ramenez. Encore 3, 2 et un dernier. Puis on ramène. Super, on revient, posture de base. Prochaine étape, le mini squat en tandem. Donc on va aller porter les pieds plus larges que les épaules. On va aller transférer une jambe à l'arrière. Assurez-vous d'avoir les orteils qui touchent avec le talon. On marche sur une ligne. Vous allez plier un peu les genoux, reculer les fesses et on revient droit. On retourne les pieds larges, on va changer de pied. L'autre pied à l'arrière, plie les genoux, recule les fesses, on revient droit. On continue lentement, plie les talons, recule les fesses, on revient droit. L'autre côté, encore quelques fois, puis on recule, on revient. On y va lentement. Prenez le temps vraiment de vous sentir bien stable. Ce n'est pas une question de vitesse. Encore quelques-uns. Lentement. Gardez toujours votre chaise proche. Encore deux. Et un petit dernier. Lentement. Recule les fesses et on redevient droit. Et on relâche. Super. Prochaine étape, l'exercice de la fanfare. Celui-là, ça va être 3 pas. Et au 3e pas, je vais vous demander de garder votre jambe dans les airs. D'accord? Donc, on y va ensemble. Donc, 1, 2, 3. Jambe dans les airs. Et avec le bras opposé, on vient ouvrir. Puis, on revient. 1, 2, 3. L'autre jambe. On ouvre grand le bras vers l'extérieur. Et on revient. On y va. 2, 3. On ouvre. On revient. 1, 2, 3. Ouvre. Reviens. On continue. Pour le 5e, reviens. Allez-y lentement, assurez-vous d'avoir votre appui proche, le dos droit. Et en reste 4. Reviens. 3. Reviens. 2. On ouvre et on revient. Et un dernier, 3 pas, jambes dans les airs. On ouvre et on ramène. Et on relâche, posture de base. N'hésitez pas à prendre de l'eau au besoin. Super! Prochain exercice, l'étoile. Donc, pour l'étoile, nous allons décoller un pied, amener vers l'extérieur, pencher légèrement le tronc et avec le bras opposé, vous poussez vraiment loin vers l'extérieur. Assurez-vous d'avoir le même prolongement. L'autre côté, lève la jambe, tronc un peu penché, bras à l'extérieur, on ramène. On y va lentement, ramène la jambe. Assurez-vous vraiment de sentir votre stabilité, votre équilibre. Ça se peut que ça tremble un peu, mais il faut y aller lentement. Reviens, lève, penche vers l'extérieur. Encore quelques-uns. Prenez le temps d'y aller doucement. On lève. Encore un de chaque côté. On penche. Ah, ça commence à devenir difficile, là. Donc, on y va lentement. Et un petit dernier qu'on ramène et qu'on revient. Donc, le prochain exercice, l'arabesque. On va aller porter une jambe à l'arrière sans toucher au sol. Gardez toujours votre jambe de support, petite flexion dans le genou. Et on va porter les deux bras vers l'avant. Et on revient. De l'autre côté, jambe à l'arrière, bras vers l'avant. Et on revient. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez porter les bras plus haut. Mais c'est le même principe toujours de garder vraiment le prolongement de la colonne.
On y va lentement. On sent que ça commence à trembler. L'effort commence à rentrer. On revient doucement. Jambes à l'arrière, bras devant. On revient. On continue lentement. Assurez-vous, hein, toujours votre appui proche de vous. Lentement. Bras devant. Reviens. Encore quelques-uns. Jambes à l'arrière, bras devant. Même moi, je tremble un peu. Ça commence à être difficile. On recule la jambe. Bras devant. On revient. Jambes à l'arrière, bras devant. Et on termine. Super. Bon, pour notre dernier exercice, petit défi, il s'agit d'un combo entre l'étoile et l'arabesque. Donc, on va enchaîner les deux mouvements, un à la suite de l'autre. On commence par l'étoile en levant un pied, hein, légèrement penché, avec le bras bien loin. Et tout de suite, on pourrait retourner en arabesque, soit en déposant les orteils au sol, puis par l'arrière par la suite, avec les bras devant. Et on revient. L'autre côté, jambes à l'extérieur, on penche le corps. Vous pouvez aussi ne pas déposer les orteils et vous placer tout de suite dans l'arabesque. On revient. On continue lentement vers l'extérieur, l'étoile, puis arabesque. Et on revient. On continue. Étoile, arabesque. On sent que ça commence à trembler, mais moi j'ai un peu de difficulté, mais il ne faut pas lâcher. Donc, étoile, reviens, arabesque. Super. Encore quelques fois. Étoile. Reviens. Arabesque. On relâche. Étoile. Prenez le temps de respirer, de bien sentir votre pied au sol. Restez proche de votre appui si vous avez besoin. On continue lentement. Arabesque. Encore deux. Donc, étoile. Vers l'arabesque. Et un dernier. Étoile. Et arabesque. Puis on revient. Super. Voici ce qui terminait notre phase d'équilibre. Prochaine étape, je pense qu'on a quand même bien travaillé. On mérite justement de se récompenser. Donc, on va venir se secouer. Garder les genoux un peu fléchis. Juste brasser les bras, brasser les genoux. On relâche tout ça. La tension accumulée, on n'en veut plus, on la relâche. Et on revient stable, bien détendu. Et on va recommencer la mobilité des chevilles, comme lors de l'activation. Retournez proche de votre appui, une main toujours dessus, en tout temps. Une bonne jambe qui va vous soutenir. On lève l'autre. Rotation de la cheville. Lentement, hein, juste pour se réactiver. Quelques secondes seulement. Et on va aller dans l'autre sens. Lentement. Il n'y a pas de presse, là. On est là pour relaxer, prendre son temps. Puis, on relâche. L'autre côté, on lève la jambe, toujours la main en appui. Rotation de la cheville, tranquillement. Quelques secondes. Dans l'autre sens, toujours la même jambe. Encore 3, 2, 1. On revient. Et on va terminer la séance avec respiration, les bras au ciel. Donc, on inspire. On monte bien haut les bras. Expire. Prends le temps de redescendre. Inspire, monte les bras. Expire, redescend. Une dernière fois. Inspire. Expire. Puis, on relâche. Bravo! Vous savez, vous pouvez intégrer des exercices d'équilibre plusieurs fois par semaine et ainsi diminuer vos risques de chute. Et le tout, bien sûr, dans le but de vieillir mieux. Parce que tout va tellement mieux quand on bouge.